Bonsoir et bienvenue, amis du net. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine. C'est le début du week-end et nous sommes ensemble pour 26 minutes. C'est parti. Actu de la semaine. Oh, les moussa! Je suis tentée de dire ça cette semaine. Comment vas-tu? Ouais, je vais très très bien et je jouis de mon salaire. Alors, ou pas okay. Mon bailleur va m'entendre. Alors, tu vas bien? Oui, je vais bien. Ben, écoute, Amélie, là, on va aller direct parce que cette semaine-là, la toile a été très très bien agitée. Il y a eu beaucoup d'actualités qui ont défilé. Et moi, je voudrais commencer ce soir par le défilé de nos Miss Université 2021. Et celle qui a eu la couronne, celle qui a été jugée la plus belle, c'est Kadidiatou Nikiema. Voilà, donc moi, je la trouve très belle. Mais tu sais, on est au Burkina. Et comme à chaque élection Miss, il y a toujours des gens qui vont trouver le moyen de dire que la fille qu'on a choisie là, c'est pas la plus belle. Tu sais, c'est un peu partout. Hein. Généralement, dans ces genres de concours, il y a toujours des avis partagés. Oui, mais ça veut dire que la beauté, c'est quelque chose de relatif. Parce que moi, ce que je trouve beau, toi, tu ne trouves pas ça beau, forcément. Donc, il faut accepter les choses. C'est comme, par exemple, les bébés. C'est-à-dire, chaque parent trouve que son bébé est le bébé le plus beau au monde. On est d'accord. Pourtant, nous tous, on sait qu'il y a des bébés, ma foi. Et naturellement, tu vois, plus on prend de l'âge, plus notre beauté diminue. Oui. Donc, il y a des bébés, souvent, même quand tu le regardes, tu dis, tu l'imagines quand il va avoir 30 ans. Tu dis, Yamashiba, tu tombes dans les pommes, tu vois. Mais moi, il y a une question que je me suis toujours posée par rapport au jury des élections Miss. Parce que généralement, dans les jurys, ils mettent des hommes aussi. Il y a des hommes qui sont souvent dans les jurys d'élections Miss. Et moi, je me demande, bon, toi, tu es un mec, tu es dans ce jury-là. Et tu décides que c'est cette fille-là qui est la plus belle du pays. Quand tu rentres chez toi, comment tu t'arranges avec ta femme? Non, parce que moi... C'est un concours. Non, mais c'est un concours, mais ça veut dire que toi, tu as jugé que c'est la plus belle du pays. Donc, en l'occurrence, tu as jugé qu'elle est plus belle que ta femme. Moi, en tout cas, si moi je suis ta femme, si tu rentres ce soir-là, tu vas rendre témoignage. Mais ce qui n'est pas passé sur la toile et que les gens n'ont pas vu, mais que moi j'ai vu parce que j'ai des radars, c'est qu'en même temps qu'il y avait Miss Université, à Tougan aussi, il y avait Miss Tougan. Ah, oui, ils ont fait une élection, ils ont regroupé toutes les filles de la région. Mais la différence, c'est que là-bas, ils ont essayé de choisir la fille la plus moche de toute la région, la plus vilaine. Parce qu'eux-mêmes, ils ont des informations sur la beauté de leur fille là-bas. Donc du coup, quand ils ont fait l'élection, Amélie, tiens-toi bien, toutes les filles sont arrivées premières ex aequo. C'est un autre niveau, tu vois. Voilà, mais maintenant... Avant de revenir sur le Burkina Faso, on va faire un petit tour en Côte d'Ivoire parce que j'ai vu dans l'actualité internationale que le président ivoirien, Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, il rentre chez lui. Et donc, du coup, pour le moment, l'État s'inquiète un peu parce qu'on ne sait pas si ça va se passer dans l'apaisement, si ça va se passer dans l'accalmie ou s'il y aura des échauffourées et tout. Voilà. Moi, j'espère pour eux, en tout cas, que tout va bien se passer pour son arrivée. Mais il y a un problème. Le problème se trouve dans la date et le jour de son arrivée. Ils ont choisi comme jour d'arrivée le 17 juin. Amélie, là, on parle de juin. C'est un mois dans lequel c'est moins cher. Bon, moi, j'espère que la jeunesse ivoirienne ne va pas. Espérons que les choses se passent très bien et que Laurent Gbagbo aussi rentre en bonne santé. Mais maintenant, Amélie... Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vaccinons-nous vivants. je vais te faire un vaccin à la Aminette. D'accord. Ben voilà, tu as vu cette semaine, nos autorités sont en train de défiler sur la toile parce que le Burkina Faso a reçu des vaccins contre le coronavirus. Voilà, donc on va vous montrer par exemple une première image. Ça, c'est le maire de la ville de Ouagadougou. Moi, d'abord, quand j'ai vu cette première image, je me suis dit, monsieur le maire, nous, il faut qu'on l'inscrive dans l'émission Musclor de BF1. Je pense qu'il ne nous a pas tout dit. Mais quand j'ai vu les images défiler, déjà, moi, j'étais content pour le Burkina du fait qu'on ait eu le vaccin contre le coronavirus. Ça va nous aider à apaiser un peu la situation coronatique, on va dire. Mais moi, j'ai un message à l'endroit de nos autorités. Parce que là, c'est de la communication. C'est bien de communiquer. Mais moi, je pense qu'il y a un petit truc qui manque, c'est de la sensibilisation. Parce que quand tu écoutes nos gens dans les quartiers, tu as l'impression qu'on ne parle pas de la même chose, au fait. Dans les quartiers, il y a une autre version. Et officiellement, tu as une autre version du corona. Moi, j'ai la chance d'habiter dans un quartier populaire, par exemple. Donc, ce matin, j'ai fait un passage au kiosque. Et il y a un de nos gars au kiosque qui nous a sorti une théorie. Parce que lui, il a dit que lui, il ne comprend pas pourquoi. Le paludisme, là, est là depuis des années.
ils n'ont pas pu trouver un vaccin contre le paludisme. Pourtant, le paludisme tue 100 fois plus que le coronavirus. Et en 2-2, ils ont trouvé un vaccin contre... Il dit qu'il y a anguille sous roche. Okay. Et il va même plus loin en disant que bon, comme le vaccin est déjà là-haut, et que ce sont les députés qui ont validé pour que le vaccin arrive là, il dit qu'on n'a qu'à prendre tous les députés là, on n'a qu'à les vacciner d'abord. Et puis on va attendre des semaines pour voir. S'ils vont bien, nous on va se vacciner. Alors là, moi je vais faire une proposition, parce que nous on est amis net, nous on est capables de tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recevoir 2 ou 3 députés ici, et puis nous on va les vacciner en direct, les gens vont voir. Parce que comme c'est des photos, il y a des gens qui n'ont pas confiance aux photos, on se dit non, c'est des photos. Donc voilà, on va essayer de gérer ça avec le ministère de la Santé. On va te charger de... Vous venez vacciner à Amélie ici, et puis comme ça. Oui, il faut le dire, ça... Bon, c'est vrai qu'il y a des suspicions, mm-hmm. et il est important qu'il ouais. y ait une sensibilisation, oui. que les gens comprennent que... Ça s'impose, parce que si voilà. tu vois, par exemple, quand le coronavirus est arrivé, tout de suite, et maintenant, les artistes, par exemple, ils n'ont pas du tout attendu quoi que ce soit, ils ont pris le bâton de pèlerin, il y a beaucoup d'artistes qui ont sorti des chansons pour sensibiliser par rapport au corona, il y en a qui ont fait des pièces de théâtre pour sensibiliser tout de suite, et maintenant, une réponse assez efficace. Alors, aujourd'hui, ce que moi j'ai envie de dire à l'État, c'est aussi avec ces artistes-là qu'il faut travailler dans le sens de la sensibilisation par rapport au vaccin, parce que là, je pense qu'on a eu un peu de recul, on a une vision par rapport au coronavirus, on sait ce à quoi ça ressemble et tout, et moi je pense que pour ces artistes-là qui ont fait le sacrifice à leurs propres frais d'aller dans des studios, sortir des chansons pour sensibiliser des gens, maintenant il faut financer un peu ces artistes-là pour qu'ils fassent des chansons encore pour sensibiliser les gens par rapport au vaccin. Là, en ce moment, eux aussi, ça leur donne une bouffée d'air et c'est aussi une reconnaissance par rapport à la lutte qu'ils mènent tous pour le pays, en commençant par moi-même, Moussa Petit Serge. Mon numéro est simple, je vous le donne plus tard. D'accord. Moussa, moi, je vais te demander de dire juste en Moré un petit message, parce qu'on le constate aussi. Ouais, ouais. Comme tu comprends bien Moré, j'aurais oui. dit peut-être Doula ou autre chose. Non, ne me la fasse Doula-Kan au niveau-ni. Ni ma bac plus 8 sur le Doula-Kan qu'on a dit. Et là, c'est surtout concernant les messages qui sont diffusés, les fausses informations qui circulent malheureusement et qui font beaucoup de dégâts aussi. Oui, il y a cette... Tu as la moi, ton mise, tu as la moi, on va tenir, on va tenir, départ, ma bébé, chute, abjoute, pime, ça me... Tima hawa wa kaburikina bali awa Ghana awa Côte d'Ivoire awa Afrique temsa wuso fa tima wa meto voro ne ba na yilimbo ba ga panga alors il dagam ta ko balavi ma ya futa bon wa bi ne ba gam da ta ba ha pa mo ka jonto na voro ti fo menga be en sécurité ti ma ka na pam fo be kyang to voro ma menga gin he da la menga ne yi point final. Merci. Voilà. Mais maintenant, quand même, avant de partir, j'aimerais rendre hommage à un artiste que moi, personnellement, j'adore. C'est Alif Naba, qui nous a aussi annoncé sur la toile la sortie de son prochain, voilà, le So Walk. Voilà, ça, le prince au pied nu le aussi. Le prince au pied nu. Voilà. Mais tu sais, moi, je me rappelle que quand j'avais décidé d'être artiste, quand j'ai dit à ma mère que je veux être un artiste et tout, elle m'a dit, bon, quand tu regardes tous les artistes au Burkina, là, tu veux ressembler à qui? Moi, j'ai dit, ouais, moi, je veux ressembler à Alif Naba. Et là, elle m'a dit, Moussa, tu n'as pas dit que tu es bête. Alif Naba. 3 albums, plus de 10 ans de carrière. Et avec tout ça, il n'a même pas encore pu se payer des chaussures. Et c'est à lui là que tu veux ressembler. Okay. Donc l'album va sortir le 11. Voilà. Et on espère que les gens vont être derrière l'album, qu'ils vont pousser, qu'ils vont acheter les CD afin que Alif puisse avoir un peu d'argent pour s'acheter des chaussures. Voilà, c'était moi à la semaine prochaine. Le connaissance est toujours de la qualité. Inch'Allah. Non, il est fort. Il est un peu comme moi. Merci Moussa. Bon week-end. Aminette, on continue. Et aujourd'hui, on a un invité. Nous recevons aujourd'hui le lieutenant Legman, chef du service de la collaboration policière de la BCLCC. Bienvenue. Merci Amélie. Parlez-nous de la brigade. Qu'est-ce que la BCLCC? Ok, merci. BCLCC signifie Brigade Centrale de Lutte contre la Cybercriminalité. La BCLCC, c'est une structure, une direction centrale du ministère de la Sécurité. Et sa création fait suite à plusieurs recommandations et à la recrudescence des infractions en matière cybercriminelle. La première recommandation fait suite en 2018, suite à une rencontre à Zignaré qui a regroupé l'ensemble des acteurs, à savoir la police, et la gendarmerie et le parquet, sur l'état des lieux de la cybercriminalité au niveau du Burkina. Et cette étude a été appuyée par une évaluation de l'écosystème sur la cybercriminalité par un groupe d'experts de la CDAO, et c'était en 2019. Et c'est ainsi qu'en 2020, le ministère de la Sécurité, chapeauté par M. Ousseini Compaoré, a porté donc le projet de création de la Brigade Centrale de Lutte contre la Cybercriminalité, précisément le 14 février 2020.
Il faut rappeler déjà que cette brigade, elle est mixte, elle est composée de gendarmes et de policiers. Et en sa tête, vous avez le commissaire principal de police, Bantida Younis Sami, et il est également le commandant de la dite brigade. Et la brigade est organisée autour de trois grandes divisions que nous avions, et la division des enquêtes, qui est en charge donc des investigations, et vous aviez la division du laboratoire de criminalistique numérique et de veille technologique qui constitue le bras technique de la brigade. Et ce laboratoire exploite les contenus de tout ce qui est support numérique afin donc de fournir des éléments de preuve pour outiller l'enquête qui a été diligentée par ceux de la division des enquêtes. Nous finissons par une troisième division qui est la division qui est en charge de la communication des statistiques et de la collaboration policière, qui initie donc des communications pour sensibiliser la population sur les nouvelles menaces en matière de cybercriminalité. Assez détaillé, merci. Afin que tout le monde puisse comprendre, qu'est-ce que la cybercriminalité ? D'accord, la cybercriminalité, c'est l'ensemble des infractions pénales commises sur un système ou facilité par les outils de la télécommunication, de l'information et de la communication. C'est dire quoi? Lorsque quelqu'un utilise sa capacité technique pour s'introduire dans un système afin d'altérer, de modifier ou de supprimer une donnée, c'est une partie de la cybercriminalité. Mais lorsque également l'infraction a été facilitée par l'outil informatique, à savoir le téléphone portable, l'ordinateur, également, c'est l'autre volet de la cybercriminalité. Et quelles sont les infractions les plus fréquentes au Burkina Faso? Au Burkina Faso, il faut dire que les principales infractions sont pratiquement l'usurpation d'identité. Et ça se passe comment? Très généralement, on passe par le réseau social Facebook où on vous envoie un lien douteux. Et lorsque vous cliquez sur le dit lien, on vous amène à vous connecter à nouveau et le cyberdélinquant profite de cette connexion pour récupérer vos identifiants, à savoir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, afin de prendre le contrôle de votre compte Facebook. Et à la suite, nous avions le chantage à la webcam et ça également, ça se passe généralement sur Facebook et où vous acceptez une amitié d'une personne inconnue et plus tard, vous échangez sur Messenger. Et c'est ainsi que le cyberdélinquant vous invitera à passer sur un autre réseau social, généralement WhatsApp. Et à la suite de ces échanges, vous allez échanger des contenus sensibles, généralement des photos, nues de vous ou une vidéo. Et c'est ainsi que ce contenu sensible est utilisé pour vous extorquer donc des fonds à la suite. Nous finissons donc avec les infractions via les services de mobile banking. Très généralement, vous pouvez recevoir un appel qui vous fait état que vous aviez gagné à la loto et on vous invite à vous rendre dans la boutique la plus proche pour donc effectuer un dépôt. Tenez-vous bien que ce n'est qu'une manœuvre cybercriminelle. Peut-on avoir quelques données statistiques, des statistiques Oui, statistiquement, c'est très déplorable parce qu'au niveau du Burkina, tenez-vous bien que la brigade juste instituée en mai 2020, l'activité, nous avions commencé à travailler proprement à partir de mai, nous avions enregistré un préjudice de plus d'1,1 milliard de francs CFA. Pour le compte de 2020? Pour le compte de 2020, 32 personnes ont été déférées. Et les cas qui ont nécessité des assistances techniques, nous les dénombrons au de 148. Et pour 2021? Pour 2021, juste avec le trimestre de 2021, nous sommes à un préjudice de plus de 200 millions avec plus de 300 cas qui ont nécessité des cas d'assistance technique. Et quel conseil donneriez-vous aux téléspectateurs qui nous suivent? Ok, les conseils pratiques les plus usuels, c'est d'éviter de cliquer sur les liens douteux. Ça, c'est un. Il faut également éviter de définir vos mots de passe, par exemple, qui ont un lien direct avec vous. Il y a des gens qui utilisent, par exemple, pour leur date de naissance comme mot de passe. Ce n'est pas bon. Évitez également de partager du contenu sensible de vous, que ce soit en photo ou en vidéo, avec une personne inconnue. Pour finir, même lorsque vous êtes, s'il arrive que vous êtes victime, évitez de verser la rançon parce que ça ne résoudra jamais le problème. Prenez attache avec des structures spécialisées comme les nôtres pour bénéficier d'une assistance
technique. D'accord. Et comme vous parlez de prendre attache, comment vous joindre? D'accord. Et la brigade est située à Bilbolgo, en face de la porte 11 du stade municipal, au niveau de l'immeuble Compaoré. Nous répondons donc au 25 39 58 42. Pour ceux qui ne sont pas à Oua et qui ont été victimes, ils peuvent nous écrire à travers l'adresse cybercrime@securite.gov.bf. Nous disposons également d'un compte, d'une page Facebook. Il suffit juste de taper à votre barre de recherche @bclcc.gov.bf. Mais je tiens à préciser que nous avions un contact avec Facebook qui nous permet donc une facilité dans le traitement ou la récupération de certains comptes qui nécessitent donc leur intervention. Donc cette collaboration aussi qui vous aide à traiter certains dossiers, j'imagine. Effectivement, cette collaboration nous permet de traiter aisément certains dossiers sensibles. Merci beaucoup, lieutenant Legman. Nous vous souhaitons un bon week-end. Aminette, on passe à la prochaine rubrique. Lucarne. Aïcha. Bonsoir, Amélie. Somoro. Obek Akene. Ah, tu parles du là? Super. Bien. Non, on ne peut pas te critiquer. Non, ça sera compliqué quand même. D'accord. Bienvenue. Merci. Bonsoir à tous mes amis du net et bien sûr, bonsoir à la principauté que je n'oublie jamais. Tu nous parles d'une application qui sera sans doute utile pour beaucoup de femmes. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de l'application Flo. J'ai dit Flo, mes parents m'oscillent, pardon, ce n'est pas Philo. D'accord. Flo, c'est une application mobile dédiée à la santé de la femme. Elle est téléchargeable sur Play Store et sur App Store et est utilisée par plus de 135 millions de femmes à travers le monde. Ce qui dénote un certain intérêt. Et bien sûr. L'utilité de cette application, c'est le suivi des menstrues et bien sûr de l'ovulation. Menstrues, c'est ce sujet qui est tabou, malheureusement, sous nos cieux. Oui. Mais bon, comme c'est un sujet qui nous concerne, nous les femmes, je pense que nous devrons travailler en fait à briser ce tabou qu'il y a autour de ce sujet. Il y a d'ailleurs eu, le 28 mai passé, la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Oui. Voilà, et on a vu plusieurs personnes, y compris les blogueurs, les blogueuses et les associations, les ONG, faire des tweets, des publications pour justement essayer de briser ce tabou-là, oui, qu'il y a autour de ce sujet. Donc, l'application se présente comme ça. Quand vous finissez de télécharger l'application, vous essayez de l'installer, il y a deux options. Il y a l'option tomber enceinte et il y a l'option ne pas tomber enceinte. Okay. Et l'option ne pas tomber enceinte, quand vous cochez l'option ne pas tomber enceinte, on va vous demander des informations vous concernant. Voilà. Et ces informations-là, il y a bien sûr la date des dernières règles, le nombre de jours de votre cycle, parce que ça différencie et ça varie plutôt d'une femme à une autre. Il y a certaines qui ont 28, il y a certaines qui ont 30, il y a certaines qui ont plus que ça. Et en fonction des informations qui sont demandées, quand vous renseignez, si vous avez caché par exemple, si vous avez coché par exemple la case ne pas tomber enceinte, eh bien l'application se permet, en fait, l'application calcule votre cycle. Et quand vous arrivez au jour, vous ne devez pas faire des trucs, quand c'est la période dangereuse, l'application vous dit, écoutez, aujourd'hui, c'est la période dangereuse, essayez de ne pas faire des trucs bizarres pour ne pas tomber enceinte, en fait. C'est vrai que l'application, je ne peux pas dire qu'elle est à 100% fiable, vu qu'aucune méthode de contraception n'est à 100% fiable, excepté l'abstinence, mais c'est une application quand même qui vous aide. Les femmes qui utilisent, par exemple, le calendrier, vu que c'est un truc qui est manuel et que ce n'est pas tout le monde, par exemple, qui arrive à suivre cette procédure-là, l'application, elle gère le problème. Et comme généralement, de nos jours, chacun ou chacune d'entre nous a un smartphone. Un smartphone, voilà, vous avez ça à votre niveau. Il y a également des rappels pour les personnes qui oublient. Donc, quand vous mettez les rappels, moi, par exemple, j'ai mis à 10 heures. Il y a également au niveau de la contraception, si vous prenez une méthode contraceptive vous pouvez mettre ça et vous précisez quel genre de contraception vous utilisez. Et en fonction de ça, bon, l'application te fait les calculs et te sort les résultats. Maintenant, si, par exemple, tu coches la case tomber enceinte,
L'application va faire les calculs en fonction de ça. Elle va déterminer les jours où tu devras avoir des rapports, en fait, pour te donner plus de chances, en fait, de tomber enceinte. Et après cette grossesse-là, il y a toujours la possibilité de suivre l'évolution de la grossesse, du bébé, tout ce qu'il y a après la grossesse. Donc, c'est un peu ça, l'application Flow. J'invite les femmes à télécharger l'application parce que, bon, suivre les menstrues, connaître son corps, savoir ce qu'il y a quand on a les menstrues. On peut également discuter avec l'assistance, poser des questions sur des sujets qui nous intéressent pour nous permettre en fait de nous connaître nous-mêmes. Voilà. D'accord. Je suis sûre que comme il y a autant qu'il y a Flo, il doit y en avoir sans doute d'autres. Oui. Nous, ça nous intéressait bien, chers amis net femmes surtout, de partager vos expériences aussi avec nous. Si vous utilisez d'autres applications, pourquoi pas, ça pourrait aussi être l'occasion pour d'autres d'utiliser ces applications. Flo n'est qu'un exemple. Et nous espérons que ces informations seront utiles surtout à beaucoup de jeunes filles, à beaucoup de femmes. Merci, Aïcha. Je t'en prie. Bon week-end à toi. Merci. On y va pour Puibo. Bonsoir Ebony. Bonsoir Amélie. Comment vas-tu? Ah, je vais super bien. Ok. J'espère qu'il en est de même chez toi. Oui. Aujourd'hui là. Aujourd'hui là, ça va choper. Ça va se sécher. Parce que Arzoum Alitami. Arzoum Rar Yasni Pon Ekrari. Ma Pavramba Yasni Pon Ekrari. Et on parle de relooking. Oui, aujourd'hui on parle de relooking avec notre grande humoriste nationale et internationale. Philomène Nanema. Donc, on va regarder la procédure du relooking de Philomène et on se retrouve tout de suite. C'est parti pour le relooking de Philomène. On passe à Pétale pour la prise de ses mesures. Bonjour, bonjour, bonne année. Comment allez-vous? Ça va bien. Soyez les bienvenus. Vous faites bien. Oui, après avoir été chaleureusement accueilli par la boutique Pétale, on va passer à la prise de mesure pour pouvoir venir confectionner la tenue de Philomène. Et qui dit Philomène? Ensuite, direction Institut de beauté pour la prise en main de la peau de Philomène. C'est pas simple. Ça, c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Gommage, quoi. Nettoyage de visage. Ça va, chérie? Bonjour, Philomène. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Bien installé? Bien installé, oui. D'accord. Je vais m'occuper de vous. Et c'est parti pour les soins de visage de Philomène. Elle va venir bien nettoyer la peau de Philomène en utilisant les produits adéquats, en suivant les étapes adéquates aussi, afin de donner à Philomène une peau éclatante. Là, tu ne dois pas te maquiller jusqu'à demain. D'accord. Voilà, il faut laisser la peau respirer. Ah, donc, je vais rien. Rien. C'est bon. D'abord, merci beaucoup. Je sens que mon visage respire. Après conseil de notre esthéticienne, on lui fait pédicure, manicure, la totale quoi. On passe à la suite, la mise en beauté. La peau de Philomène. Je vais commencer par tracer les sourcils de Philomène. J'applique une base à paupières au niveau de la paupière mobile de Philomène, ce qui va faire que les ombres
adhérer et que les couleurs ressortent mieux. Je vais commencer par appliquer ma couleur de démarcation. Ensuite, je vais venir appliquer ma deuxième couleur au niveau du creux externe de l'œil pour lui créer un effet ombre. Je vais venir appliquer ma troisième couleur sur la banane. Là, je vais venir faire un tracé d'eyeliner, mais un eyeliner flouté, effet flouté. Je vais passer à l'application du fossile après avoir fait son eyeliner effet flouté. Là, je vais venir appliquer un soin lisseur tenseur selon le type de peau de Philomène. Cela va lisser et affiner son grain de peau. Ensuite, je vais venir appliquer une base de teint. Cela va permettre au fond de teint de bien tenir. Je vais passer à l'application du fond de teint. Je n'ai même pas encore fini, mais quand je me regarde, je me dis, ma gueule, ça doit être trop couillon. Nous, on est arrêté là. Quand on enlève perruque, on enlève maquillage, on dit, back to the reality. Lever les yeux vers le plafond. Là, je vais venir répartir l'anti-cerne avec un beauty blender et je vais l'étaler jusqu'aux tempes. Venir mettre en valeur sa joue et dessiner mieux son visage et structurer le visage. On va sourire, le sourire, hein. Il faut qu'on puisse appliquer le blush, hein. Regardez ce que ça donne. Hein. Une poupée. Tu as vu nos poupées de filles. Là, on passe aux lèvres. Je vais venir dessiner le contour des lèvres. Là, j'applique le rouge à lèvres. Pour venir terminer le maquillage, je vais appliquer ma brume fixante. Et là, comme c'est le premier relooking, on s'est dit, et si on la faisait venir sur le plateau pour voir le résultat? C'est ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. Pour une première fois, on a décidé d'accueillir Philomène, c'est-à-dire que vous allez le découvrir, sa transformation sur ce plateau. Donc, on va accueillir Philomène Lanema sur le plateau. Ok. Applaudissez. On applaudit. Je regarde où? Ouais. Moi-même, je me regarde et puis je dis, oh, est-ce que c'est moi? Attends, il bien me retourner. Faut défiler un peu. Faut défiler un peu. D'aller vers où pour venir vers où? Non. C'est moi, on n'avait pas peur. Bienvenue, Philo. Mais vous avez travaillé sur moi comme ça. Alors, tu es satisfaite de ton relooking? Plus que satisfaite. Parce que quand je regarde comment ça a commencé jusqu'à ce que je sois là, je dis, je n'ai jamais fait ça. toi qui es habituée, je suis habituée à faire vite pour partir. Prends ton sac, il faut partir, tu arrêtes, vas-y. Mais là, j'ai pris tout le temps, ça a duré presque 3 jours. Hein. Ouais, d'abord, on est allé prendre les mesures pour la tenue, ensuite, gommage, machin, vernis, voilà. Est-ce que vous voyez ça? Donc, du coup, après, maintenant, voilà, je suis sur le plateau et je suis très contente parce que j'ai beaucoup changé. Franchement. Ouais, si je rentre à la maison comme ça, on ne va pas me reconnaître. Oui, mais il faut ça aussi parfois. Oui, il faut ça, ouais. Même plus souvent. Oui, très souvent, mais tous les jours, même pourquoi pas. Oui, c'est très important. C'est très important. De temps en temps, lorsqu'on a les relooking, ou bien surtout toi qui es personnalité publique. Je te dis, souvent, même arrêté au milieu des gens, voilà. Et puis voilà, caméra sur moi, je suis les transpirer. Yeah, c'est quoi ça? Oh. D'accord, j'imagine. Hein, on va partager après les images sur les réseaux sociaux. Nous sommes curieux de voir les commentaires. Ah, on est curieux, mais... Philo, quelle est ton actualité? Maintenant, là, dans l'immédiat, comme ça, bon, je veux dire que bientôt, je serai en résidence d'écriture pour mon prochain spectacle, mon prochain one-man show. Il y a des festivals qui avaient été déjà annulés en 2020 passé à cause du Covid. Donc, on est en 2021. Donc, les différents festivals ont commencé à relancer leur activité. Il se pourrait qu'on soit dans des différents festivals et tout. Et puis, il y a la préparation de mon prochain one-man show. Il y a pas mal de choses actuellement, franchement.
D'accord. Donc bientôt, on te verra sur scène. Bientôt, on me verra sur scène. Sur les réseaux sociaux, on sait que tu es sur Facebook. À part Facebook, tu es sur un autre réseau social. Oui, je suis sur Insta, je suis sur Facebook et puis j'ai un compte perso aussi. Ah. Ouais. J'ai vu que tu as pu poster récemment, tu as envie d'aller sur TikTok. On a une oui. ici là. Moi, je vais à venir sur oui, TikTok. Je suis pas encore sur TikTok. Si elle arrive sur TikTok, je pense que nous, on va aller dormir. J'ai dit, il faut que j'aille sur TikTok là, parce que tout le monde parle de TikTok, TikTok là. Moi, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Il faut trop que je vienne. Ouais. Ouais, je vais venir. Bientôt, je vais atterrir, je vais déposer mes valises t'as sur TikTok. D'accord. Ouais. Vous allez rester à mes côtés. On va dire déjà merci à Pétal, l'Institut Pugnere et à MS Beauty qui ont participé à ce relooking. Ce n'est que le premier. On fera d'autres. On a vu vos commentaires, chers amis du net, femmes surtout. Nous aussi, on va être relookés. Ne vous en faites pas. On ne vous a pas oublié. Il y aura d'autres relookings. On passe à la rubrique comique.com. Comique.com. On termine avec une vidéo de danse. Vous reconnaîtrez Philo et un web humoriste, Axel. C'était bien. Là, c'était à Abidjan, je crois. Oui, d'accord. Merci, mesdames. Je vous souhaite un bon week-end. Merci, merci à toi aussi. Merci, Aminette, vous qui avez été à nos côtés durant ces minutes, vous qui avez été à nos côtés, on vous souhaite un très bon week-end. Rendez-vous en ligne, Facebook, Twitter, YouTube, le site amidunet.com. Vous avez le numéro WhatsApp. On se dit à la semaine prochaine.